Visiteur, où es-tu? M'entends-tu? Je vois que tu es égaré dans la cour d'honneur, surplombée par les vestiges de plusieurs châteaux successifs. Observe la falaise de craie. Sa paroi retaillée est constellée d'indices de cavernes et de souterrains. C'est le château primitif, celui dont le donjon pointe tout en haut dans la verdure. Immédiatement à gauche, et flanqué de deux tourelles, se dresse le pignon du second château, un manoir médiéval autrefois fortifié. Au XVIIIe siècle, il a été percé d'un grand escalier et greffé d'un portail en arc de triomphe. La tour fortifiée par laquelle on entrait jadis a été rasée et remplacée par un imposant pavillon carré qu'on appelle le pavillon Villard. C'est le troisième château, ajouté à la même époque que les autres bâtiments entourant la cour, y compris celui où tu as acheté ton billet. Trois châteaux successifs bâtis et rebâtis sur le même coteau. Observe la différence des pierres. En descendant, tu es passé, sans y prendre garde, à peu de distance d'un petit édifice de pierre. C'est la fontaine publique que le duc Alexandre avait offerte aux villageois de La Roche-Guyon, la seule eau courante de ce temps. Visiteur ne tarde plus Au château tu es attendu. Sans le remarquer peut-être tu es passé sous l'une des herses. Qu'importe, ce temps là est révolu. Dirige-toi à droite vers la terrasse. De cet endroit on voit plus loin et plus large le bourg de la Roche Guyon avec sa halle couverte et au delà de la route, le jardin potager créé dans ce qui n'était alors qu'une île sur la Seine par Madeleine le Tellier, duchesse de La Roche Guyon. De l'autre côté du fleuve se dresse encore une maison, derrière laquelle est un lieu dit La Vacherie. C'est là que se réfugia un soir la marquise de Guercheville pour fuir les assiduités du roi Henri IV, le laissant seul avec les affres de la frustration. Les noms de Guy et de La Roche étant homonymes de ceux des anciens seigneurs du château, leur inscription dans ces lieux tend à mêler deux lignées différentes ayant gouverné deux châteaux différents, tous deux portant le nom répandu de La Roche. Une légende veut que Foucault ait été issu de la famille de Lusignan, et une autre légende veut que les Lusignan aient été issus de la fée Mélusine. D'une légende à l'autre. La famille de la Rochefoucauld affirme ici sa symbolique. Tu t'apprêtes à pénétrer sans façon dans les appartements privés de la Duchesse. D'abord, une antichambre décorée d'un papier peint chinois. Sous Louis XIV, on a lancé la Compagnie des Indes. Ces navires ont ramené en France la mode de l'Extrême-Orient. La chambre de la Duchesse est meublée simplement. Un lit en chair à prêcher, masqué par des paravents brodés, Derrière deux miroirs en vis-à-vis. C'est sous cette voûte que dormit plus tard le maréchal Rommel, entre février et juillet 1944. Il se levait tôt, souvent pour partir en voiture, inspecter le mur de l'Atlantique et faisait l'aller-retour dans la journée. Si tu étais soudain condamné à habiter ce château sans pouvoir le quitter jamais, prison dorée, mais prison tout de même. Que ferais tu l'hiver venu pour ne pas mourir d'ennui? Lorsque la chose lui arriva, le duc Alexandre de La Rochefoucauld se souvint d'une de ses ancêtres, une dame de grande culture passionnée par les arts et l'architecture, nommée Anne de Polignac. Cette Anne de Polignac, au temps des débuts de l'imprimerie, avait constitué une extraordinaire bibliothèque qui moisissait dans les terres de la famille au château de Verteuil. Alexandre, la fit transférer ici. Par goût personnel, lui-même et sa fille, la duchesse d'Anville, ne cessèrent de l'enrichir. Avant de quitter le château, sache qu'il y a encore, au creux de cette butte, d'autres parties cachées. Pour les découvrir, passe cette fois par la double porte de gauche en direction des casemates et l'orangerie. Puis, encore à gauche, franchit sans crainte la porte blindée et son mur anti-déflagration. Tu verras les casemates. Ce sont douze alvéoles creusées par des prisonniers polonais pour abriter des munitions allemandes durant l'occupation. Tu es libre de t'y promener et d'en ressortir à ta guise, avant de descendre l'escalier souterrain qui mène à l'orangerie. Voici le chronoscaf une machine à remonter le temps, inventée au XXe siècle par le professeur Miloche. Cette maquette a été construite rigoureusement et à l'échelle d'après l'album de Edgar Pierre Jacobs, intitulé Le piège diabolique. La question est aujourd'hui de savoir si ce chronoscope fonctionne, ou bien si c'est une simple fantaisie venue de la bande dessinée. Dans le doute, l'engin a été remisé ici et sécurisé par des grilles. Sois le bienvenu au potager du château. Tu as devant toi un jardin à la française qui ressemble furieusement au dessin du drapeau anglais. Lors des travaux du potager en 2004, inspirés des plans du XVIIIe siècle, 675 arbres fruitiers ont été plantés. La liste des variétés de l'époque a été retrouvée et ce ne sont pas moins de 55 variétés qui fleurissent et fructifient chaque année. Les arbres, le long des parcelles, sont taillés en gobelets, conformément aux formes historiques. As-tu remarqué que les fleurs et les légumes étaient mélangés La méthode consiste à associer des fleurs et des légumes, mais aussi à faire cohabiter des cultures afin qu'elles ne se concurrencent pas ou au contraire qu'elles s'entraident par différents moyens. Par exemple, en accueillant une grande diversité de plantes, on a plus de chances d'attirer les insectes dits auxiliaires. Autre collaboration entre les plantes dites légumineuses comme les haricots ou les fèves, avec des plantes gourmandes comme les tomates, les aubergines ou le maïs. Grâce à une bactérie vivant en symbiose dans les racines du haricot qui fixe l'azote de l'air dans le sol, ce dernier sera du coup disponible pour les plantes comme les fraises ou les tomates qui en ont besoin. Implanté à l'ouest et à l'est du potager, deux bosquets assurent une fonction double, ils protègent les cultures des vents dominants du couloir de la Seine, participant ainsi du microclimat qui règne dans le potager, et ils offrent un espace calme, intime et ombragé pour la promenade quotidienne, les plaisirs ou la réception.